deux familles, deux cultures, un même art de vivre à Québec, cette semaine à porte ouverte au Musée de la civilisation. Nous sommes présentement sur la rue Saint-Louis, qui semble-t-il tirerait son nom du fait qu'elle conduisait au Fort Saint-Louis, le fameux Fort Saint-Louis construit par Champlain. Alors, cette route, semble-t-il, c'est la plus ancienne de Québec. Et derrière moi, on voit le 52, rue Saint-Louis. C'était la maison de Jourdain Fizet. Alors, cette famille qui, en 1993, a décidé de donner tout le contenu de collection, les objets, au Musée de la civilisation. Alors, c'est plus de 5 générations d'objets qui viennent témoigner des modes de vie, de l'univers domestique, disons, de la fin des années 1890 jusqu'en 1993. C'est tout à fait unique, c'est tout à fait particulier. Alors, on va aller voir Guy Toupin, qui est le conservateur à la Réserve nationale, qui est responsable de cette collection-là, qui va nous présenter l'ensemble de la collection. Par la suite, on va aller voir Louise Mercier, qui est présidente du Conseil des monuments et sites du Québec et également la grande conservatrice de la collection Henry Stewart, qui va nous montrer une collection, mais dans un milieu historique. Ça va nous permettre de comprendre le sens de cette donation. Mais tout d'abord, rendons-nous à la Réserve nationale. Du grand garde-meuble du Musée de la civilisation. Ce dont on va parler, c'est Jourdain Fizet, la collection Jourdain Fizet. Et ça, ça nous a été offert en 1993. Oui, à la mort d'Édouard Jourdain Fizet, qui était le dernier de sa lignée. Et c'est son ami, Gabriel Miller, qui est exécuteur testamentaire, qui a offert l'intérieur de cette maison bourgeoise au musée. Dans ce fond-là, c'est important de comprendre une chose, c'est-à-dire toute la généalogie. Parce qu'on va parler des Tourangeau, des Jourdain et des Fizet. J'aimerais ça, Guy, que tu nous expliques justement cette généalogie de famille pour qu'on s'y retrouve. Mais c'est simple. En premier, c'est les Tourangeau, qui sont arrivés ici au début du 18e siècle. Jean G. Tourangeau, Jean Guillet Tourangeau. Jean Guillet Tourangeau, qui est un marchand et qui va transmettre son nom en deuxième génération aussi à son fils, aux mêmes initiales, parce que c'était la mode à l'époque. Parce que c'était lui qui était pour hériter des biens de la famille. Et c'est là que commence la transmission. Alors là, on est véritablement dans la charnière du 18e et 19e siècle avec le deuxième Jean G. Tourangeau. Et on a des pièces qui sont significatives, qui viennent de lui. OK. Peu de pièces de la première génération. Non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de traces dans la collection présentement, mais c'est surtout la troisième et la quatrième génération qui meublent cette donation. Alors, Adolphe Elzéar, dit Tourangeau, celui qui a été maire... Le personnage coloré du fond. Adolphe Elzéar Tourangeau, qui est vraiment notre personnage marquant pour cette collection-là, va avoir qu'un enfant et de surplus une fille. Oui, Corinne. C'est pour cette raison-là que finalement, on s'en va verser dans la famille avec laquelle elle va se marier, Albert Fizet, qui, eux, auront aussi qu'un seul enfant, Édouard Jourdain Fizet, qui est le dernier héritier de la descendance. Alors là, on vient de tracer, grosso modo, les 5 générations. Ça nous permet de mieux comprendre. Mais évidemment, cette famille-là, de son arrivée en Nouvelle-France, aller jusqu'à Édouard, qui est comme le dernier de la lignée qui va s'éteindre, il y a toute une ascension sociale à Québec. Effectivement, l'ascension se fait autant par l'acquisition de pièces dans la maison que par les lieux où ils vont habiter.
Alors, pour bien comprendre le fonds Jourdain-Fizet, il faut remettre ça dans son espace géographique, dans son lieu d'où origine cette collection. Imaginons-nous, on se retrouve après la conquête et l'espace urbain de Québec s'est redéfini ou est en voie de se définir parce qu'il y a toute cette immigration anglo-saxonne qui va arriver à Québec et qui va s'affirmer à la fois dans la vie économique, au niveau des institutions, disons, des institutions publiques. Alors, dans l'espace urbain, comment ça s'inscrit? Imaginez, il y a Québec, bon, il y a tout le secteur portuaire. Saint-Roch, là, c'est vraiment l'espace industriel, c'est la construction navale, c'est les artisans qui habitent là, c'est la ville, le secteur ouvrier de la ville. Alors que le quartier Saint-Jean-Baptiste, et c'est la petite bourgeoisie francophone qui se retrouve dans le secteur Saint-Jean-Baptiste, c'est le commerce de détail, c'est les manufactures, des petites entreprises. Ici, on est dans le faubourg Saint-Louis. À l'époque, et je dirais vers 1830-1840, ce faubourg-là se définit par une présence anglophone, une présence francophone. Alors, c'est comme dans ce paysage que s'inscrit la collection Jourdain-Fizet. On comprend bien, justement, l'univers dans lequel il a baigné, comment ces objets-là appartiennent aussi à la culture anglophone, au monde anglophone, parce qu'on avait deux sociétés qui coexistaient ensemble à l'intérieur d'un faubourg. Alors, on comprend bien que du 100 rue Saint-Jean, qui était leur première demeure, ils sont passés au 52 rue Saint-Louis. Et là, c'est totalement un autre monde. Oui, c'est là que la bourgeoisie francophone et anglophone se côtoient, se civilisent. Et c'est un petit peu cet aspect-là que vous allez retrouver dans la collection. C'est que même pour une famille bourgeoise québécoise, 95% des objets sont vraiment d'esprit anglophone, y compris le mobilier. Mais au total, ça représente combien d'objets, cette donation? Dans le fond, il y a 1800 pièces qui sont divisées en mobilier, en archives là, de famille. Vous avez les cartes postales, parce que déjà en 1892-93, ces gens-là vont passer l'hiver en Floride. Fait qu'ils envoient des cartes postales. C'est les gens qui voyagent. Après, vous avez tous les accessoires domestiques que vous retrouvez, autant pour la préparation alimentaire que pour le service. Et comme on sait, le service bourgeois, au milieu du 19e siècle, c'est le summum de la table, de la façon de l'adresser et tout. Et ça comprend presque 700 pièces. On est dans le mobilier. C'est une pièce très ancienne, le sofa Empire qu'on voit ici, évidemment. Je sais qu'il y en a une autre. Mais ça, c'est les premières heures de la deuxième génération, c'est-à-dire Jean-Guillet Tourangeau. Parce que là, on est véritablement vers 1830-40, là, en termes de mobilier. Oui. C'est toute la grande période néoclassique, là. Et il y en avait un pour le Salon des Dames, puis un pour le Salon des Hommes. La majorité des pièces de mobilier sont plus tardives un peu et sont victoriennes. OK. Parce que oui, bien, évidemment, on pense à Adolphe Elzéar, celui qui a été maire, celui qui a été politicien. Et là, comme tu le mentionnes, on rentre dans la période, la grande période victorienne. Très stylisée, puis très sculptée, les fleurs, chargée. La rose anglaise, les fleurs d'acanthe. Dans le fond, l'exubérance du mobilier suit l'ascension sociale de cette famille-là. Alors, Guy, quand on entend un son de clochette comme ça, on peut penser qu'on est vraiment dans un univers social particulier. La bourgeoisie, effectivement. Donc, c'est des gens qui avaient des domestiques, bien sûr. Il y avait des domestiques, ils en ont eu tout le temps, deux, jusqu'à la fin. À sa mort en 93, il y avait encore des gens qui travaillaient pour la famille. Et comme on peut voir sur la table, vous avez des pièces de à peu près toutes les générations. La plus ancienne des pièces, et une des plus rares aussi, c'est ce Wedgwood-là. Qui est magnifique. Hein? Vous voyez, on ne met pas de gants parce qu'avec la vaisselle, moi, je préfère que sentir pour pas que ça glisse. Et c'est vraiment du Wedgwood. Josiane Wedgwood est le fondateur de la compagnie. Et en 1792, il a décidé de commencer ses pièces. On connaît aujourd'hui le Wedgwood parce que la particularité, il est bleu. Tout le Wedgwood est bleu. Le bleu, le vert. Oui, mais ce type de pièce-là, c'est exceptionnel parce qu'ils en ont fait entre 1892 et 1805. 1792 à 1805. À 1805. C'est le motif du tournesol? Le motif, le tournesol et le tressage panier qu'on appelle. Alors ça, c'est le lien avec la portion la plus ancienne la plus de ancienne. La famille.
C'était la grande, grande porcelaine anglaise de l'époque. Là. Oui, et on la retrouve, c'était la finesse de la table. Vous voyez l'épaisseur des pièces? Ben oui, c'est assez remarquable. Ouais. Avec un fil d'or, c'est vraiment la maîtrise de la faïence. Okay. Donc ici, on a choisi, c'est un échantillonnage, mais pour nous montrer, finalement, l'appartenance sociale et l'ascension sociale de cette famille-là par les objets. Quand on a, en 93, on a acquis la collection, le service était encore dans les armoires. OK. Donc, on s'en servait encore. On s'en servait encore, là. Donc, imaginez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est la transmission des objets, mais toujours fonctionnels. On les utilise, on vit avec ce passé. Alors, ici, évidemment, on est en plein 20e siècle. On est dans ce qu'on pourrait appeler la quatrième génération. Ce radio a appartenu à Édouard Jourdain-Fizet. Oui, parce que quand on a été chercher les pièces dans la maison, la radio était fonctionnelle. OK. Et il l'utilisait encore. Vraiment? Oui, c'était les deux. Il y avait deux seules pièces du 20e siècle qui détonnaient dans la maison, et c'était un radio. Alors, ce radio-là, qui est évidemment très associé à la période Art déco. Parfait. Et là, on est dans les années 40? 40, début 40. Puis l'autre pièce... Un téléviseur. C'est-à-dire, et là, c'est véritablement les années 55, évidemment, l'arrivée de la télévision en 52. Imaginez-vous, en 93, on est en, la télévision couleur existe depuis longtemps. La sienne est en noir et blanc encore. Et pour lui, il n'y avait aucun dérangement. Encore une fois, c'est ça qui est fantastique. Ces familles-là vivent avec les générations antérieures. On se transmet les objets, on les utilise toujours, ils font partie de notre univers, et la modernité côtoie le passé. On parlait de Corinne tout à l'heure. Elle avait un ensemble qui comprenait 22 pièces pour les soins personnels. On n'en a que 3 pièces ici. Mais vous voyez la qualité, et elle s'en est servie pendant longtemps. Ça, c'est des pièces qui restent dans sa chambre. C'est des accessoires personnels qui ne sortent pas, normalement. Alors, vraiment, et toujours dans la sphère de la vie privée, là, on a vu les accessoires pour dames. Il y a un élément qui est assez particulier ici. C'est un rasoir automatique. C'est pas des rasoirs électriques, là. Ça, j'avoue, c'est assez inusité. C'est un des premiers rasoirs qui émite l'électricité. Un remontoir. On remonte. Il fonctionne bien encore. Il fonctionne très bien encore. Et c'est des petites pièces qui ont été achetées ici à Québec, mais qui sont allemandes. Ah. Et ça a été acheté sur la rue Saint-Louis. Et on a même la facture encore de la pièce qui coûtait 2,39 à l'époque. Et si on parle, ça veut dire... 1934. C'est avant l'arrivée des rasoirs électriques. C'est un objet de luxe. Pour l'époque, c'est un objet de grand luxe. Guy, on a la chance dans cette collection-là, dans le fond Jourdain-Fizet, d'avoir deux très belles photographies d'intérieur qui nous montrent comme une mise en scène de ces objets-là. Au moment où on a fait l'acquisition en 93, toi, tu as eu l'opportunité d'entrer évidemment dans cet intérieur-là, et c'était à peu près ce que tu voyais sur les photographies anciennes. Les photographies de la salle à manger sont identiques. J'ai été chercher les pièces, on les a emballées direct à partir du buffet dans des boîtes pour les emmener au musée. Quand je suis entré dans la maison, j'avais l'impression d'entrer à la fin du 19e siècle. Tant rien n'avait bougé. Il y avait comme un mode de vie qui s'était figé dans le temps. Conservatrice. Parce qu'on a des pièces qui étaient sur une des premières photos qui est dans la salle à manger. Et on voit sur le buffet la magnifique bouilloire de table. Qui, dans les années 1860-70, est le summum dans le service. Ça, c'est la barrure ici. C'est la barrure qui maintient en place. On ne peut pas s'y tromper. Vous voyez, c'est vraiment des pièces qu'on utilise pour verser. Il y a un petit brûleur à l'intérieur. Et le service se fait sur la table. Donc, l'eau se tient chaude tout le temps. OK. Et c'est en plaqué argent, mais c'est des petites pièces, là, maîtresses. Cette période-là montre effectivement que la table bourgeoise, il ne faut pas toucher à rien. Fait que c'est pour cette raison-là que tout est centré, tout est bien fermé, comme ce présentoir. Un rafraîchissoir. Qui est un rafraîchissoir, mais en même temps, c'est un œuvre majeure,
Vous voyez les feuilles d'acanthe, c'est de toute beauté. C'est très victorien, parce qu'on est dans la période victorienne. On est dans la période victorienne. C'est très floral, c'est très... c'est abondant, là. Les pièces sont abondamment ornementées. Oui. Et comme on peut voir, toute la pièce est trouée en dessous, parce que dans le réceptacle en verre, on met de la glace, on met des cerises ou des fraises avec du chocolat dessus. Ah oui? Et pendant tout le repas, bien, ça peut se conserver sur place. C'est pour ça qu'on appelle ça un rafraîchissoir. Un rafraîchissoir, alors pour maintenir au frais. Là, les... Et vous avez tous les ustensiles pour ne pas toucher encore à la nourriture. Vous avez une paire de pinces avec une petite griffe pour aller chercher la pièce, pour la mettre dans son assiette. Fait qu'on voit l'élégance du service à table. Du service. Ça, il était aussi sur le buffet parce que c'était pour les dames. C'est le service à boisson pour les dames. OK. À l'époque, vous avez dans la maison trois services. Dont un bar pour le bureau de monsieur et un autre serviteur muet avec quatre carafes pour le salon des hommes. Ah, OK. Fait que celui-là, c'est réservé aux dames. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus stylisé. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Le porto, le chéri? Le chéri, c'était deux vins réservés aux dames à l'époque. Et vous avez l'embouchure qui est en argent. Les bouchons aussi sont très stylisés. Et on appelle ça un serviteur muet parce qu'on peut le trimballer d'un bord à l'autre. Le déplacer d'un espace et à l'autre. Il s'agit encore là de trois pièces qui viennent d'Angleterre. OK. Et ceux qui trônent aussi sur le rebord, vous avez cette pendule de table. Ça, c'est vraiment la pendule, soit du grand buffet ou de la tablette de cheminée, c'est-à-dire le manteau de cheminée. Le manteau de cheminée. Et dans la maison, vous en avez quatre. Et il n'y en a pas une de la même construction, du même type. Cette pièce-là aussi, c'est un témoin intéressant de la consommation, de l'évolution de la consommation, parce que c'est une horloge américaine. C'est New Haven Clock Co., qui est une compagnie du Connecticut. Alors, c'est pas la grande industrie horlogère, mais là, on voit qu'on bascule dans la consommation. Ce qu'on a vu dans la collection, principalement, c'était beaucoup anglais ou des meubles québécois, des meubles, c'est-à-dire fabriqués à Québec. Mais là, on commence à entrer des objets, finalement, américains. Oui, parce que le shop en catalogue a commencé. Absolument, là, c'est des grands magasins. Et c'est des pièces qu'on retrouve souvent dans les catalogues, américains et canadiens. Parce que dans le catalogue Eaton, vous avez les mêmes pièces au début du siècle. Pièces, là. Dans les années 1900. Alors, on entre aussi dans un nouveau cycle de consommation. Oui. Et quand même, ce sont suffisamment des bonnes horloges pour continuer à être remonté jusqu'en 1993. Oui, effectivement. Alors, Guy, je te remercie infiniment de nous avoir montré ce magnifique fonds qui est Jourdain Fizet. Ça nous a permis de comprendre la vie de la bourgeoisie francophone à Québec durant la période de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Alors, on te remercie infiniment. Ça m'a fait plaisir. La collection Jourdain Fizet à la Réserve nationale. Mais maintenant, ici, on est à la maison Henry Stewart. Alors là, on va voir comment un contenu comme celui de Jourdain Fizet se retrouve dans sa maison historique, dans son lieu d'origine. Alors, on va pouvoir observer l'univers domestique, les modes de vie. Pour Jourdain Fizet, c'était le milieu francophone au 19e siècle, 20e siècle, sur la rue Saint-Louis. Maintenant, on est sur Grande Allée, mais on est toujours dans ce grand secteur historique. On est dans la même période, c'est-à-dire fin 19e, la première moitié du 20e siècle, deux modes de vie, anglophone, francophone. Mais on va voir comment il y a des similitudes entre les deux modes de vie. Et pour ce faire, on va aller rencontrer Louise Mercier, qui est la présidente du Conseil des monuments et sites du Québec, mais en plus, qui est également la grande conservatrice en chef de cette maison historique. Quand on parle de la maison Henry Stewart, qu'est-ce que ça veut dire au juste? À quoi ça correspond? Alors, on l'a nommé comme ça, Henry Stewart, du nom de la première propriétaire, qui était une dame William Henry. En 1849? 1849. Okay. Et Stewart, pour la dernière famille qui a habité la maison de 1918 à 1987. Adèle Stewart est décédée dans la maison en 1987. Elle avait 98 ans.
on n'est pas dans un milieu où on a fait une reconstitution, c'est-à-dire un périodrome pour utiliser un anglicisme, mais plutôt, ici, c'est l'évolution. C'est 70 ans d'histoire. Alors, j'aimerais ça que vous nous expliquiez le parti que vous avez choisi de faire en termes d'interprétation. Au décès de Mme Stuart, tout était dans la maison à sa place. Et donc, on a pu, avec la volonté de la famille, créer un inventaire, faire un inventaire des biens de la maison. Ce qu'on a voulu faire, c'est montrer la vie de cette maison-là comme elle a été pendant 70 ans, tout le 20e siècle. On voit les photos anciennes, puis le décor d'aujourd'hui, c'est pareil, là. Donc, on peut visiter les quatre pièces principales, les pièces d'apparat de la maison, qui sont absolument identiques à ce que c'était à l'époque. C'est-à-dire le salon, le boudoir qui a été au 19e siècle le fumoir des hommes et la chambre à coucher principale et la salle à manger où on se trouve en ce moment. Quand la maison Henry s'est implantée ici en 1849, c'est un milieu urbain, c'est un milieu rural? C'est un milieu rural, en fait, parce que c'est un des premiers chemins de la ville. Et donc, l'établissement le long du chemin Saint-Louis, de la Grande Allée, s'est fait petit à petit avec des habitations de type villa, cottage. Et ça, c'est très 19e siècle. Donc, c'est un rapport avec la nature, du bâti avec la nature. Le site qu'on voit, c'est le site qui existait en 1917. Donc, un boisé qui éloigne un peu le cottage du chemin. Et derrière la maison, il y a un jardin. C'était le jardin d'Adèle. Elle a mis toute sa vie à le travailler avec beaucoup de passion. Elle était passionnée d'horticulture. Donc, c'est comme ça qu'on l'a préservée, avec sa clôture aussi. Donc, c'est un tout. Un tout, absolument. C'est un ensemble. Et ça, c'est unique au Québec. Même au Québec, on peut dire que c'est unique. C'est unique que ça a été classé comme ça. Le jardin, le terrain, le jardin, la maison, la collection, tout. C'est un ensemble classé. Ça, c'est unique au Québec. Mais comment on arrive à protéger dans un milieu urbain où la pression est tellement forte par rapport au développement? Comment on arrive à maintenir son enveloppe, son jardin, avec une pression urbaine comme il se vit à Québec, là, on sait que tout ça, souvent, c'est près du pic du démolisseur. Ici, on se trouve sur la colline parlementaire. Hein. Depuis les années 70, il y a une pression de développement extraordinaire. Le coût du terrain est impressionnant. Donc, effectivement, il y a une lutte, je dirais, quasi quotidienne pour s'assurer que ce secteur est préservé. Puis, je dirais que c'est parfois très décevant parce qu'on voit des démolitions. Le souci de préserver ce qui est à l'intérieur du bâtiment n'est pas évident nulle part. On a vu très récemment des façades maintenues ici sur Grande Allée, des bâtiments victoriens de grand intérêt, des façades maintenues. Puis après, derrière, on fait un bâtiment contemporain parce que c'est plus facile. Et donc, ce façadisme-là dans la ville de Québec, c'est un grand danger parce qu'on va finir par avoir un décor... Oui, c'est un fléau. On va finir par avoir un décor très artificiel. Et c'est ce que le Conseil des monuments et sites a voulu faire valoir auprès des citoyens, l'importance de préserver les éléments d'architecture. Donc, c'est toujours un équilibre fragile à maintenir. Puis, heureusement qu'il y a des groupes de pression comme vous pour le maintenir. Alors là, on a pu voir ici, évidemment, contrairement à la collection Jourdain-Fizet, qui est conservée dans les collections du Musée de la civilisation, un autre contenu, qui est celui de la famille Stuart, une famille anglophone, contrairement à Jourdain-Fizet, qui est francophone. Mais comment un contenu in situ prend tout son sens, toute sa signification. Et ça, c'est grâce à vous, au Conseil des monuments et sites du Québec, parce que vous habitez les combles du bâtiment, donc vous continuez à l'animer, vous continuez à être présent dans ce lieu. Alors, je vous remercie infiniment, Louise Mercier, pour à la fois ce que vous faites au niveau des maisons historiques et cette visite privilégiée dans ce magnifique site. Merci, Louise. Merci. Alors, voici une maquette de la collection qui nous permet, encore une fois, peut-être de prendre la mesure de ce qu'on vient de voir, de la collection qu'on vient de parler, c'est-à-dire celle de Jourdain-Fizet, qui était au 52 Saint-Louis. Évidemment, la rue Saint-Louis, c'est ici, la porte Saint-Louis. Alors, on voit que cette collection-là provient d'un milieu, dans la géographie urbaine, d'un milieu où coexistaient à la fois les anglophones et les francophones. J'entends surtout, évidemment, la bourgeoisie à l'époque. Et comment la collection, à travers les objets que Guy Toupin nous a présentés, à travers les propos qu'il a tenus sur les comportements à table, sur les modes de vie, comment le monde anglo-saxon nous a grandement influencés
Dans ce cas-ci, on parle de la bourgeoisie, mais on pourrait étendre ça à toute catégorie sociale. Alors, c'est sûr qu'il y a eu une interpénétration des deux groupes culturels, mais les objets nous ont surtout permis d'évoquer l'influence anglo-saxonne dans nos comportements, dans nos modes de vie. Et la démonstration avec Louise Mercier, la visite de la maison Henry Stuart, nous permettait de mettre ça aussi, évidemment, en scène. C'était comme un théâtre autour de la vie de la bourgeoisie anglophone, mais c'est certain qu'on pouvait le transposer dans la réalité de Jourdain Fizet. Alors, c'est sûr qu'au terme de tout ça, on peut se rendre compte de l'influence immense qu'ont eu les anglo-saxons sur notre mode de vie, sur notre nord-américanité telle qu'elle s'est définie, telle qu'on s'est définie les Québécois par la suite. Alors, c'est un élément important et on voit comment ces objets-là, qui sont, dans le fond, des témoins d'une vie de famille, peuvent aussi parler énormément au niveau de l'histoire. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir été des nôtres et à la prochaine.